Route 263 à Woburn, un camion fait demi-tour. Là, j'arrivais de Lac-Mégantic, mais ce GPS, ça donnait que c'était ouvert. Ça donnait que c'était pas fermé, les gars. Depuis bientôt deux semaines, une fissure sur ce ponceau bloque la circulation entre Piopolis et Woburn. La portion qui est condamnée est très courte. Traverser à pied, ça me prendrait à peu près une vingtaine de secondes, pas plus. Par contre, ça demande un détour pour aller de l'autre côté, et c'est par là. On parle de deux détours possibles entre 40 et 50 km. Les automobilistes ont le choix, passer par Valracine et Notre-Dame-des-Bois ou encore faire le tour du lac Mégantic. Vous avez des champs de l'autre côté. De l'autre côté du pont, oui. Martin Chouinard est producteur laitier. Détour de 50 km au lieu de 2 km là, pour me rendre à mes champs. Là. Ça va être tant que ça ne bougera pas. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont régler le problème. Là. Impact également pour une douzaine d'élèves de Piopolis qui vont à l'école à Woburn. Moi, j'ai deux enfants qui prennent l'autobus. C'est pour ça que je dénonce totalement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres parents. Il y en a même qui utilisent le service de garde à l'école. Fait que c'est pas évident pour eux. Là. Bonne nouvelle pour toutes ces personnes. Le ministère des Transports du Québec confirme que les travaux de réparation du ponceau s'amorceront la semaine prochaine. On parle de travaux qui dureront au maximum pour une période de 3 semaines. Il y a une intervention qui sera faite du coulage de béton qui va faire en sorte que la capacité portante du pont sera efficiente pour les usagers. On a fait le détour d'une quarantaine de minutes par Notre-Dame-des-Bois. On vous parle maintenant de l'autre côté du ponceau. On va aller voir ce que le maire de Woburn a à dire concernant cette annonce. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on nous avait déjà parlé de semaines, mais on ne savait pas si c'était 1 ou 10. Là. La seule chose avec laquelle je trouve déplorable, c'est le délai. 2 semaines pour faire des plans puis décider quel genre de travaux on va faire. C'est pas mal long. Je peux vous dire que ce sont des travaux que les ingénieurs ont fait de façon très, très rapide. 2 semaines, c'est très court pour confectionner les plans et devis et également commencer à exécuter ces travaux-là qui sont essentiels. Les quelques 650 véhicules qui passent ici chaque jour pourront à nouveau traverser au plus tard, au début novembre. Jasmine Dumas, TVA Nouvelle, Woburn.